Et salut tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dead Rising 3, toujours en compagnie de notre ami Ravi, et toujours Nick bien évidemment, hein, bien sûr, c'est... On change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Hop, prends un petit peu à manger, moi je vais juste voir si je peux pas trouver un casse-croûte par-ci par-là, ça pourrait être super sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça? Tableau de véhicule, on s'en fout. Y a-t-il à manger par là? Une plante, non, ça se mange pas... On n'est pas dans Resident Evil. La physique des objets est un peu bizarre. Café. Un café, un café, un café, c'est toujours très 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 agréable les amis, je vous le dis. Un café de temps en temps, n'hésitez pas. Mais dégage. Alors on va chercher une voiture là. Avec le copain Ravi. Je vous rappelle donc que les zombies... Eh ben, ils sont un peu en mode énervés puisque c'est la nuit, donc forcément... Oh, attention! Ouh, attention! J'ai cru attention qu'ils voulaient me choper et je me suis débarrassé. Donc, quête principale, les amis, aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire le jeu un peu en ligne droite. Je l'ai dit dans le dernier épisode, il me semble. Hop. Donc, c'est pas bien loin, hein. Ça doit être juste là-haut. Ben, écoutez, on va essayer de faire le tour, là, pour voir comment on peut rentrer dans ce bordel. On peut rentrer par là. On va chercher un kit de tatouage, si j'ai bien compris. C'est le bordel, hein. Allez, on sort. On monte la barricade. Et c'est parti. Dictionnaire. Carrément, on peut taper sur les amis avec un dictionnaire. Ça peut être utile. Ça peut être utile, un ami, les amis, un dictionnaire, pour taper sur les ennemis. Ouais, par où faut rentrer? Peut-être par le bus, là. Peut-être par là. Si un bus, c'est pas pour rien. Voilà. Oh là là, gros lycée avec gros footballeur américain qu'on va essayer de dé... Oh mais c'est des boss en fait, c'est des mini-boss, d'accord, ok. Ok. Allez, ça va nous reprendre. Oh. Allez, regardez, on va faire un truc qui marche tout, à tous les coups. Coup de dictionnaire, hop. Non, ça marche pas, ça fonctionne pas. Allez, boum! Hop là, voilà! Pareil pour toi. Est-ce que tu veux, toi aussi t'aimes l'électricité? Tiens, tiens, tiens! Oh là là, il prend... Eh, je prends super cher! De ouf, quoi! Faut bien esquiver les coups, attention, ils sont très 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 puissants, j'ai l'impression, ceux-là. Allez, on va se régénérer la santé. Boisson sans alcool. Ça doit être un soda, je pense, ça. Hop, 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 glou, glou, glou. On est reparti, les amis, hein, n'inquiétez pas. Prendre une petite pomme. Une petite pomme, c'est super bon pour la santé également. À pas confondre avec la marque Apple également. Aspirine. Des aspirines. On va en prendre. Ah, ça rejette bien aussi. Oh non, 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 non. Attends. Excuse-moi. Voilà. Moi, je veux que tu me rendes cette arme. Qui m'est super utile. Toi, elle sera un peu moins utile. Même si c'est vrai que quand les ennemis, quand les copains, comme pour commun par exemple, prennent des armes, elles deviennent immortelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser tout le temps. Ça serait bien que tu tires par contre, Ravi. Ça serait super sympa. Tu me serais utile. Parce que là, pas utile. Vraiment pas. Aïe. Du tout utile. Oh, 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 oh. Oh mon dieu, il a perdu une... Oh mon dieu, il a perdu ses jambes. Il a perdu ses guiboles. Boîte à clous, on s'en fout un peu. Oh, une épée, ça peut être toujours sympathique. Toujours se balader avec une épée sur soi, les amis. Allez, on va progresser. Tiens, Ravi, bois un coup. T'auras peut-être besoin. Je vois que t'es un peu en galère de santé. Je vous dois tout. Tiens, prends le vin aussi. Ça me débarrasse. Super. Ça te permet de te régénérer à fond. J'espère. Oh, la grosse descente, là. Grosse descente de vin, là, les amis, là. Un escabeau. Oh, un escabeau, les amis. Toujours avoir un escabeau sur soi. Regardez la puissance d'un escabeau. Vous avez pu voir à quel point l'ennemi n'a pas apprécié. Oh là là, plus de tête. Voilà, ça, c'est la puissance de l'escabeau, les amis. C'est moi qui vous le dis. Oh, pistolet, carmin. Pistolet. Oh là là. Oh, c'est puissant, ça, les amis. Oh, y a trop de cris que j'aime pas là. Je vous dis honnêtement. Oh putain! Il m'a fait peur.
Oh, attention, Ravi, attention. Oh, il m'a fait flipper le mec là. De ouf. Allez, allez, non. Et voilà. Zone sécurisée. Et ben donc, c'est pas trop tôt. Mise à jour, application ZDC. ZDC. Je sais pas trop ce que c'est, hein, je vais vous le dire honnêtement. De vous à moi. Hop, petit café. Vous savez, je suis un très grand fan de café, hein, moi-même. Ouais, du pistolet là, il y a du fusil d'assaut, on va en prendre un. Ça peut être toujours assez utile. Qu'est-ce que c'est que ça? Sauvegarde. On peut sauvegarder ici. On va sauvegarder. Ouais, parce que moi, j'aime bien sauvegarder dans les toilettes. Surtout quand elles sont aussi, quand ils sont aussi propres que ça. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Tableau de survivant. Ah, sympathique. Mort. Ah, d'accord. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'elle est morte, elle. Ravi, bah, toujours avec nous. Hein, toujours très sympathique, Ravi. Et lui également, Simon. Mais il vaut mieux prendre... Ah, par contre, elle était très forte quand on regardait les statistiques. Hein. D'accord, ok. Ouais, je comprends mieux, d'accord. On viendra ici, quand il y aura un tableau, on pourra voir, donc on pourra prendre les survivants que l'on souhaite. Ils apparaîtront quand on le souhaite. Tiens, okay. Un mid-check. Tiens, un fusil d'assaut. Tiens. C'est un peu bizarre, quand même, hein, comme il veut donner des armes. Machette, on s'en fout. Moi, je bois un coup. Et kit de tatouage, voilà, on y est enfin. Je l'ai. Bon, on peut se sauver si je pense que c'est bon. Penderie, on en a rien à secouer. Peut-on sortir par ailleurs? On peut sortir par là, je pense. Honnêtement, je pense. Porte ouverte, génial. Regardez, il y a même la marque sur le mur là. Ça nous indiquait, en gros. Ouais. On va faire un peu de ménage. Attendez, on va déjà enlever des clous que j'ai là sur moi. Je passe deux fois dessus, je n'enlève pas. Dynamite. On va faire ça, là, bien. Non, un peu trop... Voilà, là, c'est mieux, là. Regardez, on attend un peu. Boum. Voilà. Ah, merde, c'est un peu trop loin. C'est pas grave, on va faire le ménage. Allez, 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 allez. Oh, gros défouraillage de zombies là, les amis, en perspective. On va essayer d'esquiver. On va choper une voiture, ça serait le top, le summum. Oh shit! Allez, c'est parti. Petite voiture orange carrément. Est-ce qu'on peut klaxonner? On peut klaxonner. Je klaxonne Ravi, hein, vous inquiétez pas, je klaxonne personne d'autre. Dégage. Allez, Ravi, on y va. On est parti. Ravi, pour l'instant, c'est vraiment le survivant qui m'a le plus accompagné. Hein, vraiment très très résistant pour l'instant. Même si on a pu constater sur les stats que c'était pas le plus résistant. Hein. Mais il se démerde bien, Ravi. Très très bon. Oh là là. Oh, la voiture a pris un choc assez monumental, là, je vous fais pas dire. Oh, on va marcher dans la voiture. On va prendre une petite Lamborghini. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, tu montes. Voilà. Dégage. Oh, un petit saut, les amis, un petit saut. Wouh. Oh là là, retournement de situation. Plutôt retournement de voiture. Tout court. D'accord, ok. Là, ça en fait du peuple. Hein. Oh, j'ai presque envie de dire. Oh shit! Où est-ce qu'il est Ravi là? On se barre, on peut plus rien faire là. Oh putain! On va essayer de sauver ce. Je sais pas c'est qui est là. Ah, c'est une femme. Ils sont pas très nombreux donc on va essayer de la sauver. Il était trop tapé sur Ravi, hein, parce que le coq va pas trop copain avec nous sinon. Allez, voilà, ça c'est fait.
Elle s'appelait Mel, comme Mélanie. Elle est à 80 mètres du prochain lieu. On retrouve nos copains. Nos copains d'avant. Bizarre parce que les zombies, on arrive à les découper en un coup. Par contre, eux... voilà, lui, il n'y a plus personne, moi. Il est mort. Et lui aussi. Et... voilà. Ah, il n'y a plus de trucs. Allez, 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 allez. Oh, shit. Quoi? Où allons-nous? C'est parti, les amis. Nous allons le trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Voilà, par contre, mon arme a quasiment plus de vie. C'est un drame. Attendez, il y a de la nourriture. Là, on va manger des sushis. Donner de la vodka à Ravi. Prendre le plan. Hop. Et la masse. Alors, on va faire un truc. Profanateur. Ouh. Ça, par contre, à mon avis, ça envoie des plumes. Ouais, ça envoie des plumes. C'est un nouveau mot que j'ai inventé. Est-ce que l'on peut peut-être... voilà, on a encore des points à dépenser. Corps à corps. Bagarreur. Plus de coups. Et une imposition résistante. Ça, c'est pas mal, ça. C'est vrai que ça peut être super sympathique. Non, pas où faut aller. Je pense qu'il faut monter. On va peut-être monter de l'autre côté, ça ira mieux. Voilà. Attendez, je sais pas trop où aller finalement là. C'est vrai que je suis un peu paumé, hein, pour ne pas dire complètement perdu. Ouais. Tout simplement par là. Non, je sais pas. D'accord, 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 on va chercher. Je pense qu'il faut monter là-haut. Je pense, mais comment? Comment peut-on accéder à la partie supérieure? Je vais refaire le tour pour... non, non franchement, à mon avis, c'est par là. Peut-être que je me trompe sur moi, là. Ouais, je me trompe. Non, non, c'était bien par là. Je vais continuer parce que j'étais dans la bonne direction. Mais qui me tire dessus là? Bon, alors. Ah, mais attendez, il y a une porte. Il y a une fenêtre. Oh, mais je suis trop con quoi. Je suis trop con. Ah, les copains. Donc, ça, c'est le profanateur, les amis. Hein. Très bonne arme, j'espère. Ouais. Oh, oh ouais, oh ouais, c'est bon ça. D'accord, très bien. Ils ont rien compris ce qui leur arrivait. Et on récupère l'écrin pour bague. Solution non mort, c'est quoi ça? D'accord, c'était un vieux livre. Guide de survivant, bon, ça n'a pas changé de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Pistolet à colle. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec un pistolet à colle. Je pense qu'on peut faire des milliers de choses, mais j'ai pas vraiment la certitude que ça va me servir dans l'immédiat. Bon, allez, on va valider la quête, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Par où on peut valider la quête? Je sais même plus par où on sort. Par là. Très bien. Faut trouver un véhicule maintenant. Rappelez-vous, hein, la Lamborghini a fini sur le dos. Allez, oh bah un taxi. Je pense, pas un taxi, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est une voiture auto-école, il me semble. Student Drive, donc ça c'est une voiture auto-école. Donc Ravi ne touche pas les pédales de l'autre côté, hein. Ça serait dommage. Ouais, par contre je suis un peu bloqué là. Je suis un peu bloqué. Ce qu'on va faire, on va sortir de la voiture. Parce que, à mon avis, on peut pas passer par là. Allez, bouge, bouge, bouge. Ça va exploser. Oh, shit.
Faut qu'on trouve une autre voiture là. Allez, on esquive tout. C'est pas évident. Ah, les zombies de nuit ils sont terribles quoi. Après, j'ai peur que Ravi là. J'ai peur que Ravi va m'en vouloir à vie. Moi qui meurs très vite. Est-ce que je vais le chercher? Ouais, je vais. Si je peux, je vais le chercher. Non, il est là. Oh là là, Ravi, il est super. Il est super ce petit gars. Vraiment, il est impeccable ce gars. Il suit très bien. Il a une bonne mobilité. Allez, on sort par là. Moi, je peux pas sortir. Si c'est bon. Allez, on va valider la quête. On se croit dans World of Warcraft, quoi. On va valider la quête, tranquille. C'est ce que tu veux. Voilà. Maintenant, je veux voir Annie. Bravo, t'as réussi. Fais-les passer là que je puisse la garder. Bordel, c'est mon mari qui m'avait donné ça. Mais il est plus là. Et mon kit. C'est bon. Attends une seconde que je t'ouvre la porte. Bon. Elle va m'ouvrir la porte, voilà, c'est impeccable. Ouais, elle est dans la tour de communication. Va jeter un coup d'œil. Super, c'est cool. Bon, il y a quoi là? Moteur de moto, d'accord. Un cône. Donc là, on est quasiment un peu en sécurité, si je puis dire, pour l'instant. On est dans un lieu, on va dire, habitable. Qui, dans quelques heures, ne sera plus avec la bombe. Je le rappelle, hein, faut fuir la ville. C'est un peu le but du jeu. Ça a l'air d'être assez bizarre comme endroit. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me dit rien qui vaille. J'ai un peu peur de cet endroit parce que, à mon avis, ça va pas être très longtemps un endroit serein. Hein, je pense qu'on va pas se le cacher. Je pense que, à mon avis, les problèmes vont très très vite arriver. Quelque chose aille! Non! Non! Ah! Quoi que ce soit, ça vit encore. Hé, hey, sortez-moi de là. Y a pas le feu, mon frère. T'es un ami ou un ennemi? Hé, hey, une minute. Je connais ce gars. Salut, Annie. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste savoir, est-ce que tu voudrais venir à Ingleton avec moi? Il y a un truc que je voudrais te montrer là-bas. J'ai pigé, t'es venu jusqu'ici pour me livrer au type qui me recherche. Il en aura pas l'occasion, parce qu'ici, on extermine les fouineurs. T'emballe pas, il est cool. Ouais, je le jure, je sais pas ce qu'il m'a pris. Comment on sait si on peut lui faire confiance? On a trouvé un vieil avion, il a besoin d'un coup de gêne, et de carburant. Red, c'est peut-être notre chance. Attends. Laisse-moi une chance de faire mes preuves. Nick, voici Red. Il est à la tête de la résistance depuis... Je suis réaliste, Nick. En parlant de ça... Vous m'aideriez à trouver le nécessaire? Peut-être qu'on pourrait collaborer pour se tirer. Ouais, j'en connais qui ont du carburant. Mais écoute bien, Nick. Le gouvernement, il élimine tous les survivants qu'il retrouve. Il les sauve pas. Alors si tu veux faire quelque chose pour nous, faudrait sortir, brûler du matériel, couper certaines radios, bidouiller leurs caméras. Tu fais ça, et on aura un accord. Tu crois vraiment qu'il ferait ça? Crois qu'il est temps que tu ouvres les yeux, Nick. Ok, marché conclu. Et en plus, t'as pas vraiment le choix. Oh là là! J'ai cru qu'on allait se faire avoir. Finalement, ça va, c'est plutôt bien passé. Bon, on va parler à Annie. Sans rire, tu peux nous aider à sauver des vies. On n'est pas que des vandales. D'accord, ok, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il y a quand même beaucoup d'armement par ici, hein, les amis. C'est assez hallucinant. Canon détonant. Comment ça fonctionne, canon détonant? Grenade plus pistolet à pompe. Bah, nickel. On a tout ce qu'il faut. On va pas se faire chier. Voilà.
Oh là 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 là. Ah, contre un boss, ça va être bien ça, je pense. S'il y en a un. Est-ce qu'on peut en créer un autre? Parce que franchement, je m'en créerais bien un deuxième. Je vous le dis honnêtement. On va prendre une grenade si on peut. Voilà. Hop. Hop. On va voir un deuxième parce que, à mon avis, ça peut être un très 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 bon outil. Prendre le café, parce que le café c'est toujours très bon pour la santé. On va parler aux deux zouzous qui sont là. Red. D'accord, ok. Toi t'es super mignonne. D'accord. Je vais essayer de récupérer le plan qui se situe en bas, je pense. Qu'il y en a un. Voilà. Donc vers un plan, généralement, il y a vraiment toutes les armes détonateurs à distance. Bon, ça, c'est pas vraiment le truc le plus utile, je pense, honnêtement. Hop. Genre, mais ça, ça m'énerve un peu le bruit. Je sais pas ce qu'on en pensait. Combattant. Ah, il y a toujours les livres qu'on a pu ramasser tout à l'heure. Les livres qui sont très utiles, hein, qui augmentent les dégâts, enfin, un peu les statistiques de tout et de rien. Réduit le rayon de détection des zombies, augmente le dégât causé par les zombies. Ah d'accord. Ah, je vais mettre ça, moi, carrément. Et si on sera contre un boss, on mettra ça. Mais là, pour l'instant, augmente la longévité des armes, ça peut être pas mal. Y a ça, attendez, y a ça, y a quoi d'autre? J'ai cru voir d'autres choses. Je ne suis pas aveugle. Non mais allô. Je crois que c'est là. Voilà, talent. D'accord, ok, on en prend des nouvelles choses, ça veut dire. Ok, épreuve. Donc ça, c'est tous les, on va dire, tous les objectifs, hein, pour remporter des PP. Donc les points de compétence. Et les livres. D'accord, bah, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on a... Enfin, moi, vu que je joue pas tous les jours, hein, forcément, pour le let's play, je me réserve de jouer à ce jeu uniquement avec vous. Et ça permet d'apprendre des choses. D'accord, très bien. Donc si vous avez des trucs à m'apprendre sur ce jeu, n'hésitez pas, parce que je sais que je suis très 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 loin de tout savoir sur Dead Rising. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je sais pas si ça s'entend un petit peu, mais je commence à avoir la gorge qui me gratte énormément. Donc j'étais malade il y a pas si longtemps, mais là, je vais remettre doucement. Je tourne en rond, je sais pas par où je sors. Je vais remettre doucement. Mais je peux vous dire que je souffre encore pas mal. Donc je préfère mettre fin à la vidéo maintenant que de voilà, que de galérer encore pendant un quart d'heure avec ma voix qui commence d'ailleurs à partir un peu en sucette. Donc je sauvegarde ici. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous les amis, portez-vous bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dead Rising, de Rise, de WoW, n'importe quoi. Je fais plein de gros bisous, c'est tout le monde, bye bye.